Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc c'est parti pour le 28e épisode les amis. Donc il pleut! Alléluia les amis. Alléluia. Oh nice! Non 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 non. Ils sont pas tous bons à ramasser? Oh dommage. Par contre on en a un étoilé, donc c'est juste nickel, il nous en faut 5. Donc hop, on le met de côté. Par contre il flotte. On est vendredi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un bouquet d'amarante, ouais, c'est ça qu'il faut, je trouve. Ah, c'est déjà poussé le fenouil! Wow, les amis, ça a poussé vite! Non! Je me suis fait! Ah, c'est pas vrai. Non, 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 on fait pas la même erreur. Alors, c'est parti, on va voir Pierrot, les amis. Et on va voir combien ça va nous rapporter le fenouil qu'on va vendre. Et tout simplement, et bah, on va replanter des choses. On va profiter. Il pleut, écoutez. Il pleut, le monde est beau, le monde est gentil. Donc l'amarante, il faut que je trouve ce que c'est par contre. Ah oui, il faut qu'on aille voir Gunter aussi pour déposer le truc. Donc, ah ouais, il est que 7h20 par contre. Ah ouais, j'étais déterminée là. Ah ouais. Un peu trop déterminée là. On va aller à la plage, les amis, avant d'aller à l'épicerie. Oh mon Dieu. J'étais en pleine d'entrain là, les amis, encore. Vous avez vu ça? Toute beauté. Voilà, est-ce qu'il y a des petites choses qui traînent sur la plage des familles? Alors, il y a une petite palourde là déjà. Non, ah, hello. N'essaye pas ton énergie pour ça. Hop. Salut, salut la plage. Mes petits coraux des familles. Hop, il n'y a rien d'autre apparemment. Yes, donc on descend, c'est parti. Alors, il faudra qu'on vende tout ça tout simplement. Hein. On va y voir quand même si Gunter est déjà ouvert. Je ne sais pas si ça ouvre avant 9h ou pas. Donc on va tenter parce que je sais que chez Pierre ça ouvre à 9h. Donc du coup, on va être coincé. Marnie, bah, il faut qu'on attende la prochaine semaine pour lui faire des cadeaux. Donc c'est un petit peu la merdouillette, va-t-on dire. Donc voilà, c'est un peu chiant. Ouais, on va le dire. Voilà, on va utiliser des gros mots, on va le dire. C'est galère. Et voilà. Hop, 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 hop. Yes, c'est déjà ouvert. Donné au musée. Et on n'a pas eu de récompense. Oh, zut alors. Bah, c'est pas grave. Donc il est 9h10. Bah parfait, on va aller voir Pierrot, écoutez, on va aller voir ce qu'on peut avoir de beau pour planter dans notre petit chez nous. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc j'espère qu'avec tout ça va nous rapporter plein d'oseilles à la fin. Ça serait tellement bien. Non, on peut pas passer, on peut pas passer, on peut pas passer, mais non! Bon, j'arrête. Salut Pierrot! Ah, ça casse pas! C'est pas la folie folie, vous voyez, mais écoutez. Bon, écoutez, on va en prendre une quinzaine. De la canneberge. Ah, il y a déjà plus de sous avec ça. Ah, flûte. Ah, voilà, la marrante, c'est ça. Ça en 7 jours. Ah, du coup, il nous faut de l'oseille. Et ça, je peux pas le vendre à Pierre. Ah, j'aurais dû regarder avant l'amarante. Ça part tellement vite l'argent quand on achète des graines. Bon, écoutez, on va déjà planter tout ce qu'on a. Et bah, on va attendre. Il faut qu'on se fasse de l'oseille. Ouais, il faut qu'on se fasse de l'oseille. Il est 10h20. Et je crois qu'en vrai, on va aller à la mine, les gens. Encore. Parce que, bah, voilà quoi. Faut bien qu'on passe le temps. Hop, on vend tout ça. On va planter tout ça. Ah, c'est ça. Franchement, je fais pas assez attention à ça, les gens. C'est ça qui est bête. Faudrait que je fasse plus attention parce que c'est vrai que ça part tellement vite l'argent quand on achète les graines. Hop, donc tout ça, c'est planté. On est bon. On met ça là-dedans. Je prends les casse-croûtes et on se taille. Allez, c'est parti. On va à la mine. Et il est 11h. Le temps qu'on y arrive, il sera déjà midi, je suis sûre. Donc. De toute façon, en rentrant, on n'aura pas besoin d'arroser. Donc, c'est pas un problème si on y reste tard. On va essayer de descendre de 5 niveaux, déjà. Ce serait pas mal, parce que vu que l'heure à laquelle on va y arriver.
Et ce sera plutôt bien. Allez, allez, c'est parti, c'est parti. Roulez jeunesse. Donc là-bas, on arrive chez Robin. Tac, 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 tac. Hello, tu fais une connerie ou... Non, sorte communale, c'est bon. J'ai écrit que je ne faisais une bêtise, les amis. Mais non. Alors voilà, là, on est chez Robin. Allez, petit moussaillon. Voilà, il est déjà midi. Ce que je vous avais dit! Il est déjà midi! Je suis... je lis dans les esprits, les amis. Non, je rigole. Vous devez en avoir marre de moi des fois, non? Dites-le, hein, si mon humour vous insupporte des fois. Je le prendrai pas mal. Et on a corbillé une torche. Ah, oh, c'est pas vrai. Quelle andouille! Ok, on n'y voit rien. Ok, allez, c'est parti, on va aller casser la caillasse qui traîne à droite et à gauche. On a encore une géode. Mais là, les géodes, c'est pas ma priorité, on va dire. What? On a entendu un bruit bizarre, les gens. Batman m'attaque! Batman m'attaque, les amis! Non! Ah, deux ailes! Et je crois qu'il nous en faut... Il nous en faut 10. Pour le centre communal. Wouah! Trop d'ennemis! Trop d'ennemis, tue l'ennemi là! Wouah! Ah, ça va vite les ailes de chauve-souris! On en a déjà 4? Elle nous donne les deux à chaque fois quoi, en gros. Ah, punaise! Eh ben, on n'était pas sortis de l'auberge là, hein! Alors. Hop, allez, meurs toi. Allez! Ah, ah tchou, tout ça pour me filer de la caillasse en plus. Ah, c'est de plus en plus merdique les gens là. Pour avancer. La descente est là. Ah, ça va pas être comme ça à chaque niveau. Ouf. Parce que je vous avoue que... La pénombre, c'est pas terrible. Je vais falloir faire 15 000 torches pour pouvoir avancer. Ah, oh, si c'est sombre là-bas. Hop. Eh, donnez-moi la descente, s'il vous plaît. J'aimerais bien faire 5 niveaux. Écoutez, on va casser quelques caillasses. Mais je me tourne pour être en face du caillou, il n'y a rien à faire, c'est n'importe quoi. Ok, il n'y a pas la sortie. Très bien. Toujours pas. Ils sont résistants, ces machins, là. Qui nous donnent que de la caillasse, en plus. Allez, bon sang, meurs. Me saoule pas. Allez! Et le bruit que ça fait quand on les tue, c'est horrible. Toujours pas sorti? Oh là là. Yes! Il y a la sortie. Oups! Allez, 33 les amis. Si j'attaque pas, il m'attaque pas? Non. Ah si, il me court après en fait. Je peux l'éviter, mais il me court après. Ok. Allez. Meurs.
Il est 18h, on est au niveau 33, j'espère qu'on va vite trouver la descente pour aller au 34. Yes! Bon bah écoutez, je descends, je cherche pas à comprendre plus. L'énergie a bien descendu. Yes. Oh mon chat. On a entendu un bruit de chauve-souris, si je dis pas de bêtises. Yes. Allez, attaque-moi. C'est marrant parce qu'on voit bien ses yeux, du coup on peut anticiper quand elle va arriver. Ah bah nickel, écoutez. Cette fois, elle m'a donné qu'une aile. Ok. J'étais habituée à ce qu'elle me donne les deux, donc du coup ça m'a un petit peu perturbée, mais écoutez. C'est la vie. Yes, on est au niveau 40, les gens. Bon, 35, pardon, pas 40. Qu'est-ce qu'on fait? Clairement. Je crois qu'on va s'arrêter là au niveau de la grotte. Ah, je suis tentée. Je suis tentée. J'ai tellement envie d'être au niveau 40 parce que, bah, voilà quoi. Allez, viens toi. Ouais, il va être 20h. On n'aura jamais le temps de descendre. Allez, on fait demi-tour, les amis. On rentre à la maison. On rentre à ce baraque. Et puis c'est tout. Hop. Allez. Sortir de la mine. Écoutez, c'est déjà pas mal. On a descendu de 5 niveaux pour une fois que c'est pas un gros fail. J'ai envie de vous dire. Donc, c'est parti. Hop. On rentre à la maison. Ah. Hello, hello. Y'a pas de conneries. Ah ouais, du coup, c'est vrai qu'il faut que je trouve une autre noisette. C'est ça aussi le truc. Ça va le faire, les amis, ça va le faire. Hop. Donc, première journée. Écoutez, on a descendu 5 niveaux. On a agrandi nos champs. Le prochain coup, on va chercher de l'amarante histoire de pouvoir la planter. Pour pouvoir tout simplement. Bah, j'espère qu'il sera encore temps pour l'amener à Marnie. Sinon, c'est un petit peu la galère. Ou sinon, on lui offrira tout simplement un cadeau et puis c'est tout. Hein. On va pas s'embêter. Hein. On passe chez midi à 14h. Tac, parce que ça fait quand même 7 jours à pousser, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop. Tac, 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 tac. Donc les ailes de chauve-souris, on les met là-dedans. Ça. Ça et ça. Les torches, je les garde sur moi précieusement, les amis. Tac, tac, tac. Bon, on n'a rien de plus à faire. Hein. Écoutez, il me reste un petit peu d'énergie. Wow, c'est pas très grave. Bon, allez, on va aller dodo, les amis. Hop. Ah, j'ai pas été voir mes poulets, tiens, là, je crois. Ouais, il faudrait que j'aille les voir après. Si, punaise, mais j'ai cliqué trop vite. Hop, on fait un petit dodo, les amis. Un petit roupillon des familles. Alors, ah, on a 5, on va avoir 500, quoi. On va quand même acheter Pierre, acheter de la marrante, écoutez, et on verra. C'est parti. Bon, on a 600 en total. Ok. Donc, c'est parti, les amis. Donc, on n'a pas la chance qu'il pleuve cette fois. Ah, bah, c'est cool, l'aubergine, par contre, ça risque de produire. Je sais pas, je sais plus s'il en faut au niveau des quêtes. Alors, je viens de vérifier, il nous faut bien une aubergine au niveau des quêtes des Juminos. Donc, je vais juste en mettre une de côté, histoire de la garder. Et bah, on va vendre tout le reste, on va aller chez Pierre. Donc, c'est parti, les amis, on va chez Pierre. Donc, on est samedi, donc on ne peut pas faire de cadeau à Marnie pour l'instant. On a une autre noisette, donc c'est plutôt good. Les corps étoilés, je vais la mettre dans les coffres en attendant. Mais si on en trouve une non étoilée, bah, on la garde, on la vendra celle-là, pardon. Mais voilà, au moins on a une noisette et on va la mettre dans le coffre histoire d'être sûr d'en avoir une. Hop, allez, c'est parti. Ah, il est 6h50, j'ai les écorces zappés. Attends, regardez l'heure. Ah, c'était l'anniversaire d'Eliott hier, mince. Je regarde pas assez ça. Sardine. Oh bon, désolé, j'ai pas de sardine. Je pêche pas. Hop. Donc on va aller à la plage, écoutez, parce que bah, on n'a pas le choix, c'est pas encore ouvert. Ça m'embête à chaque fois, ça. Hop. Ça m'embête beaucoup.
Moi, je suis au taquet là, je suis à fond, vous voyez, et à chaque fois, je suis coincé. Entre l'heure qui passe trop vite et l'heure qui passe pas assez vite le matin. Ah, c'est horrible. On devrait pouvoir faire comme dans les Sims, choisir la vitesse du temps. Ça serait tellement fun. Hop. Hop là. Hop. Bon, bah écoutez, ça sera ça de plus à vendre. Ah, il y a encore un truc là. Une petite moule là. Alors, c'est parti. On sort de là. Il est 8h10. Oh punaise, faut encore attendre. Ah, oh, j'aurais dû prendre mes trucs pour les déposer au centre communal au final. Parce que là, je vais devoir attendre, ça va être galère. On va agrandir nos champs et tout. On va pas aller à la mine là pour le coup dans cette journée. Hop, je me promène en attendant et voir s'il n'y a pas des champignons, etc. qui traînent. Tac, tac, tac. On a que ça à faire, donc autant se balader et essayer de voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Hop. Et ben il est 9h, donc on peut redescendre. Voilà, au moins on aura vérifié qu'il n'y a rien. Bah écoutez, hein, il n'y a pas grand-chose à ramasser de temps en temps. C'est un petit peu calme au niveau de la récolte. Hop, allez, c'est parti. Salut Pierre, je veux t'acheter des petites choses et te vendre mes aubergines. Yes. Alors, la marrante. On va en acheter une dizaine. Un plant de raisin. J'en ai acheté 5. Graines féeriques, je vais faire pareil. Ah, punaise. C'est vrai que j'aurais dû regarder le coup. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah ouais, on peut acheter du blé quand même, du coup, parce que c'est moins cher. Ah bah, hop, on fait ça, les amis. Attendez. Ah, je peux vendre ça aussi chez Pierre. Ah bah, nickel, on va pouvoir acheter pas mal de blé. Ça se vend vite et ça pousse très vite. C'est surtout ça, l'essentiel du blé. Allez, bye bye, Pierre. Moi, c'est parti, je vais à la ferme. On va aller mettre à porter tout ça, histoire de vite avoir de l'oseille. Hop. Le blé, c'est en 3 jours, donc c'est très très pratique, les amis. Parce que c'est contrairement à l'aubergine, voilà, on est obligé d'en racheter à chaque fois. Donc ce qui est assez bien avec l'aubergine, c'est ça, c'est que voilà quoi. On le met une fois et on n'a plus qu'à attendre. C'est parti. Ah! Ah si. Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. C'est quoi ces graines? C'est la marrante, ouais. Non, c'est là que je voulais faire. Voilà, hop, on agrandit tout ça. Ah, c'est marrant comment ça se présente le raisin. Ouf, bon, écoutez, hein, le blé, on va le mettre un peu n'importe où. Hop. Ouais, mes champs sont pas très organisés, hein, mais c'est pas grave. On n'en fera pas un fromage, hein? N'est-ce pas? Et il me reste 4 graines. Ok. Donc c'est parti, je vais vous faire une petite ellipse le temps d'arroser tout ça, les amis. Alors les amis, on se retrouve, donc j'ai plus d'énergie, donc on va juste prendre vite fait un casse-croûte, histoire de pouvoir bah, faire d'autres choses. Mais voilà, on a tout arrosé, donc on va aller voir nos petits poulets, histoire de voir comment ils vont, et voir s'ils grandissent, parce que clairement, j'aimerais bien que ça qu'ils grandissent un peu là. C'est pas possible. Ah voilà, là j'arrive à leur mettre à nouveau du foin. Voilà, ils ont du foin, écoutez. Mais ils grandissent toujours pas, je ne sais pas pourquoi. Ça me perturbe. On va voir dans la grotte, voir s'il y a d'autres trucs. D'autres fruits, du moins. D'autres trucs. Ah, yes. Non, 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 non. Non, 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 non. On ramasse. Non.
J'ai dit on ramasse, point. Bah, vous savez quoi? On va aller au centre communal du coup parce qu'on a pas mal de petites choses à déposer. Et il est 17h30, donc autant profiter de l'occasion. Hop. L'aubergine. La cerise. Mais j'en ai fait quoi de ma noisette? Vous allez dire que j'ai mangé la noisette? Et que je me suis fail à ce point-là? C'est possible, me connaissant. On va pas se mentir. C'est possible. Mais. Ah là là. Voilà, donc c'est parti, les amis. On va aller tout simplement au centre communal déposer des choses, vu qu'il y a plein de choses qu'on peut peut-être déposer. Et comme ça, on saura ce qu'on peut vendre ou pas. Alors, c'est parti, on y va. J'ai regardé, on sait jamais s'il y avait un champignon, même si j'ai seulement regardé avant, mais bon. Moi et mon petit cerveau, vous savez. Hop. C'est parti. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va ramasser pas mal de blé, et ça va nous rapporter. Hop, allez, c'est parti, on va l'embêter les géminos. Salut, salut! Résine de pin. Ah, j'ai pas mis de récolteur de sève sur les trucs de pin, donc peut-être qu'il faudrait. Ah, je suis en train de penser. Non, je viens de regarder celui-là. Ah ouais, en plus, il me manquait juste la noisette. Ah, c'est dommage. Alors, ici, il manque rien. J'ai rien à poser de l'autre côté. Donc là, c'est ceux où il y a 5. Ça sera à l'hiver. Donc la grenade, j'ai. La cerise, j'ai. De la gelée. Du miel. Tissu. Huile de truffe. Ok. Ah! Ah non, j'en ai pas de pêche. Et ça, ouais, c'est. Ok. Donc l'aubergine, je peux la poser. Hop! Attendez, 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 attendez. Et! Roue-moi le livre. Ah, c'est un igname. Donc je crois que j'en ai mis de l'igname. Ou alors c'est un des trucs que j'ai pas acheté qu'il faudrait que j'achète. Donc, bah écoutez, on va pouvoir vendre tout le reste. Donc c'est plutôt bien, comme ça va nous faire de l'argent encore. Mais il va falloir qu'on achète un peu de tout pour pouvoir tout planter. Et pouvoir faire nos quêtes. C'est le but, c'est ça, c'est de réparer le centre communal, de développer notre ferme, etc. Donc il faut pas qu'on loupe à nos devoirs, on va dire. Hop, c'est parti. Hop, hop, hop. Hop là, c'est parti, hello. Hop. Et voilà, on vend tout ça. Allez, on va dodo. Et bah écoutez, c'est le deuxième jour d'accompli. On a développé un peu nos champs. On a descendu de 5 niveaux dans la mine. Donc bon, je dis que l'épisode est grandement mené, les amis. Donc on va cesser là pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Bye bye à tous!